Nicolas Ferland, bénévole depuis 2010. Serena Lopez, bénévole depuis 5 ans. Félix Morin, impliqué depuis 2014. Avant de faire du bénévolat, je me disais pourquoi aller faire du bénévolat pas payé alors que je pourrais aller travailler plus et être rémunéré. Mais en fait, l'épanouissement, ça s'achète pas. J'ai toujours aimé donner au prochain, mais j'ai jamais vraiment trouvé une façon de pouvoir vraiment redonner d'une manière qui va me faire grandir moi-même et aussi pouvoir bénéficier aux autres. Donc c'est un peu comme ça que j'ai voulu m'impliquer. Je tournais un peu en rond dans mes études. Puis là, je me suis dit, ben j'aime m'impliquer, j'aime me lancer à fond, puis comme ça, je vais savoir rapidement si j'aime ça ou j'aime pas ça. C'est rendu quasiment justement une façon de remercier justement le domaine. Le but, c'est de bâtir notre communauté, de bâtir la collectivité, mais tout ça ensemble. C'est important d'être reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on peut apporter. Je lève mon chapeau à tous les bénévoles qui s'impliquent, puis je leur dis merci et je leur dis de continuer.